On sera jamais prêt. On ne sera jamais prêt pour notre encyclopédor. Les fans nous le demandent depuis un bon bout de temps et on n'est même pas prêt. T'as révisé ton texte, moi? Non, là, je suis en train de le faire, et toi? Oh! Oui, bon, pareil, mais c'est pour une excuse. Je suis le boss, j'ai le droit de prendre plus de temps. Et moi, je suis ninja, j'ai le droit de prendre plus de temps aussi. Il m'emmerde, celui-là, il m'emmerde. Oh! Je ne dirai rien. Bonjour, chers amis amoureux de l'angoisse. Par rapport au dernier vote qui remonte de cela, au moins 3-4 semaines, vous avez choisi Stephen King à présenter dans notre première encyclopédie dédiée aux réalisateurs et acteurs spécialisés horreur. Donc pour ça, nous avons des petites fiches, parce que nous nous souvenons pas de tout. Et oui, j'ai un cerveau de poisson avec moi. À peine un tour de manoir et déjà t'as tout oublié. Pas fou. Tu vois. C'est comme ma cour, je les apprends jamais. Donc, la personne que nous allons interviewer, donc quand même pas la position directe, que nous allons présenter est, n'est autre que le grand Stephen King. Stephen King, réputé avant tout pour ses romans en tant que romancier, mais qui a également été scénariste et une fois seulement réalisateur. Seulement une fois? Vous allez vite comprendre pourquoi. Basé sur la science-fiction et l'horreur. À l'origine. Il a lu sa fiche, il est content. Notre personnage est né le 21 septembre 1947 à Portland. Autant vous dire qu'il vient de fêter il y a quelques mois ses 69 ans. Il n'a pas connu la Seconde Guerre mondiale, mais presque. Ou du moins presque la fin, à 2 ans près. 2-3 ans, ça dépend comment on voit la fin de la guerre. Dans mon cas, elle n'est pas encore finie. Non, c'est plus commencé, quoi. Ta gueule. Il a publié plus d'une cinquantaine de romans, ce qui n'est pas permis à tout le monde, et plus de 200 nouvelles dans toute sa vie, dont 7 romans sous le pseudonyme de Richard Bachman. Pourquoi? Ah, surprise! Parce que je n'ai pas la réponse exacte, mais je suppose que certains romans, ça passait moins avec son nom au début qu'avec son nom après. Qui connaît Richard? Lève la main. Non, pas Cœur de Lion, on parle Bachman. Il a eu de nombreux prix littéraires, c'est impressionnant. 13 prix Bram Stoker, 7 prix British Fantasy, 5 prix Locus. Alors vous allez me dire, ces prix-là ne vous parlent pas pour la majorité. Ce sont des titres qui sont tirés des romans pour plus ou moins de bonnes raisons. Par exemple, je sais que le British Fantasy, c'est pour certaines histoires fantasy ce qu'il avait écrit et non pas histoire forcément d'horreur. Également, 4 prix World Fantasy, 2 prix Edgar Allan Poe. Autant vous dire que c'était pas que la science-fiction, c'était plus horrifique. Et également, un prix Hugo et un prix Henry Howard. Autant vous dire que là, il fait pas mal de jaloux. Il a même été décoré en 2015 de la médaille de la National Medal of Art. Prix qui n'est pas décerné à tout le monde. Très peu de personnes peuvent se vanter de l'avoir possédé. Bah, putain, et Stephen King l'a eu. En 2015, autant vous dire que c'est récent. Donc, pour ce qui est de sa famille, il a eu une enfance assez compliquée. Son père était quand même capitaine de marchande, de la marine marchande, et sa mère était pianiste. Bon, il avait des parents ont un revenu assez important, mais le petit Stephen King étant jeune n'arrivait pas à se retrouver. C'est d'ailleurs à l'âge de 4 ans qu'il connaît sa première expérience d'horreur. Malheureusement, un de ses petits camarades s'est fait écraser devant ses yeux par un train. Niveau enfance, on aurait pu espérer meilleur. On comprend pourquoi il est dérangé. Moi, quand je vois Tim Burton, je me demande combien il a vu de personnes crever. Vu les films qu'il nous tire. Mais ils sont géniaux, hein. Si je pouvais, j'aurais un petit badge avec marqué « I love Tim Burton ». Ce serait sensationnel. Et moi, j'aurais un petit badge ici écrit « I love ninja », tu vois, normal. T'es un peu un but de ta personne. « I love ninja ». Donc, malheureusement, Stephen King fut retiré longtemps pour des problèmes de santé de l'école. Oui, ça en plus du fait qu'il avait du surpoids et que c'était quelqu'un qui avait du mal à se faire des amis. Il n'était pas forcément très sociable. Du coup, il a commencé à 4 ans à écrire les premières petites histoires... Enfin, à 4 ans, après 4 ans, à écrire les premières petites histoires, excusez-moi, fantastique pour enfants. De là après, il a enchaîné dès l'âge de 25 ans par écrire un des romans qui sera une des plus grandes œuvres et au niveau des livres et au niveau des films. Je parle bien sûr de Carrie. Carrie, cette jeune femme perturbée qui n'arrive pas à se faire des amis et qui finalement va se venger dans un bain d'hémoglobine. Et qui est aujourd'hui un film de cul. Oui, qui aura d'ailleurs eu deux suites. Carrie 2 et Carrie la revanche avec je n'ai plus le nom de l'actrice en tête. Il vit avec sa femme actuellement Tabitha, marié avec elle depuis 1971, comme quoi l'amour qui dure toujours, ça existe pour certaines personnes. Je ne vise personne. Et possède 2 enfants, Joe et Owen, qui, comme leur père, auront connu plus ou moins
de façon plus ou moins grande, une carrière en tant que romancier. Sinon, il reste un grand fan de football des Red Sox de Boston et n'hésite pas à aller voir tous leurs matchs, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Il est également un grand fan de moto et de beaucoup d'autres choses. C'est quelqu'un qui touche vraiment à tout. Il faut savoir que ses 5 premiers ouvrages sont quand même carrés en 1976, soit quelques années avant qu'on naisse. De toute façon, comme tous les autres films, Salem en 77, l'excellentissime en 79, Shining, repris plus tard, on vous en parlera, par Stanley Kubrick, Le Fléau de 81 et Dead Zone en 1983. Donc, il a été scénariste, comme je vous l'ai dit, sur beaucoup de films tels que Le Fléau, Creepshow, Cimetière, Rose Red et même Cellphone, le dernier sorti en 2016. Avec non moins célèbre Samuel Jackson, acteur de renom qui a joué dans bien des films. Merci, c'était la touche humour. Je te déteste. Mais il n'a été qu'une fois réalisateur, et à juste titre du fait que ça a été un de ses plus mauvais films. Malheureusement, il était réalisateur pour le film Maximum Overdrive. Vas-tu arrêter de faire des gamineries ? Maximum Overdrive, qu'on vous présentera tout à l'heure puisque je l'ai, qui était un film qui était assez décevant. T'as rien d'autre à faire devant les abonnés que te cacher pour aller pianoter sur ton téléphone de ninja. Tu commandes quoi, les nouveaux Shuriken ? La saga Shuriken School ? Non, le nouveau costume. Prends-le en orange comme Naruto, on prendra pour une cible, on va zigouiller comme ça. C'est la saison de la chasse. Donc, il a également été acteur dans de nombreux films, tels que L'homme qui aimait le sandwich, de mémoire c'était un truc comme ça, ou L'homme sandwich, ou une connerie comme ça, dans des petits rôles, en général, qu'il passait tels des caméos, comme le grand Alfred Hitchcock. En tout, il y a 91 films tirés de ses œuvres qui ont été adaptés en série télé ou en film. Ça représente quand même près d'une centaine de films, qui est un beau pactole. Même s'il n'en a pas réalisé la plupart, et bah, vu qu'il n'en a réalisé qu'un, et s'il n'a pas été le scénariste sur beaucoup, sur je dirais une petite 20, 25, 30 dans ces eaux-là qu'il en a scénarisé, il a inspiré beaucoup de monde pour ses films d'horreur, ce qui est quand même en soi fantastique. Par exemple, dans les films, je vais avoir besoin de toi, Ninja, pour les films. Dans les films que nous n'avons pas, par exemple, qu'il a présenté, La peau sur les os, que j'espère ressortira en français car il est excellent, Les cimetières, 1 ou 2, Les Langoliers, Le Fléau, Lord of Salem, Dark Side, Les contes de la crypte, Les Creepshow, La tempête du siècle, qui quand même coûte autour de 70€, à savoir DVD dur à trouver, j'ai besoin des DVD. J'ai besoin des DVD. Merci. La ligne verte, parce qu'il a fait pas que de l'horreur, les il encule les feuilles. Non, mon Dieu. Les évadés, Cœur perdu en Atlantide avec Anthony Hopkins, le légendaire Hannibal Lecter, Nuit déchirée, Les vampires Salem, Carrie, Fenêtre secrète, Les aides de la nuit, Misery, Le diable de glace, The Mangler, et également quelques films que nous pouvons vous parler parce que nous les possédions. Ah, Machiavélique à souhait, c'est formidable. Donc, il a fait également, donne-moi ça, Les démons du maïs, je possède que le 2 et le 3, il existe encore le 1, je sais qu'il y a eu 7-8 démons du maïs au moins, merci d'ailleurs Tanguy pour l'information, et qu'ils ne sont pas tous sortis en France, il n'y a que les 3 premiers de mémoire qui sont sortis en France. Donc deux très bons films où on peut s'apercevoir que les enfants mènent le dessus sur les adultes et à travers le maïs dégomment tout ce qui bouge. Autant vous dire que le deuxième était très bon et le troisième je l'ai trouvé encore meilleur, vraiment excellent. Nous avons également le légendaire Cujo, tiré de Stephen King, alias le chien tueur, dans lequel un chien, un bon gros chien, va tuer tout le monde. Maintenant, la terreur a un nom. Donc un chien pourtant qui paraît sympathique, mais qui, dû à une maladie, enfin, ouais, on va dire ça comme ça, une espèce de rage, va devenir très dévastateur. Un film qui a été porté de très haut dans les cœurs des fans de Stephen King. Même s'il a un peu vieilli, je vous l'admets. Ensuite, Peur Bleue, me diriez-vous, va y avoir du requin ? Non, je parle du Peur Bleue de Stephen King, qui allie plutôt les loups-garous que les requins. Donc un film très sympa dans un village où les loups-garous touchent la plupart des personnes. Donc un très bon film électrochoc qui multiplie par 10 fois la dose de frisson d'après Stephen King. Ce qui n'est pas faux car tous les Stephen King sont plus ou moins cultes dans tout ce qui va être le cinéma d'horreur. Et celui-ci n'y coupe pas. Ensuite, nous avons Conte Macabre, donc qui n'était pas un de ses meilleurs, qui est difficile à trouver, qui regroupe 3 petites histoires qui sont, je trouve, assez mal faites. Désolé, Stephen King ne le prend pas mal. Donc,
Trois petites histoires, une petite ville d'Oklahoma perdue au milieu des champs de maïs, un endroit paisible, tranquille, mais les apparences sont trompeuses, car là, une étrange communauté d'enfants élimine systématiquement les adultes, au nom d'un dieu diabolique. Et le piège se referme sur le jeune couple de mariés, leur voyage de noces prend une tournure inattendue. Donc trois petites histoires que j'ai trouvées assez pof. Nous avons ensuite également le légendaire Dreamcatcher, d'après le roman de Stephen King, donc un film excellent avec notamment Morgan Freeman, Thomas Jones et Jason Lee, donc qui étaient tous les trois d'excellents acteurs. C'est un film d'horreur mais qui allie plutôt la science-fiction, car nous parlons beaucoup d'aliens dans ce film d'ailleurs. C'est le personnage principal est un alien, l'adversaire est un alien, et les autres acteurs se battent dans la pensée avec un Morgan Freeman, ne les jette surtout pas aux jeux de zigouille, où un Morgan Freeman va servir entre guillemets de méchant, ce qui est rarement son rôle. Ensuite nous avons Canopimus Optimus The Mist. The Mist qui faisait penser beaucoup à Fog, dans le principe où c'est une brume épaisse qui arrive et que les dangers sont dedans, vous happent et vous tuent. Donc, très belle démonstration de l'esprit humain. Viens là toi. Très belle démonstration de l'esprit humain qui, en cas de crise, va finir par écouter quelqu'un qui a du Dieu, qui a une ou deux fois raison et va surtout s'entre-déchirer pour être le dernier survivant. C'est vraiment un très très bon film, une très très bonne adaptation qui est fidèle au livre. The Mist. Ensuite, nous avons... Ah, mon coup de cœur de Stephen King, Rose Red. Ça dure 4 heures, mais qu'est-ce que c'est plaisant. Une très bonne histoire avec un groupe de personnes qui ont été regroupées par un professeur qui ont tous des pouvoirs particuliers. Lire dans le passé, lire dans l'esprit des gens, faire de la télékinésie. Tout le monde a un pouvoir particulier, ce qui est franchement assez sympathique. Et ce qui est encore plus attachant ce film, c'est la perfection des acteurs. Ces acteurs jouent vraiment très bien, les effets spéciaux sont bons et le bâtiment lui-même est très très beau à regarder. Bon, malheureusement, un des acteurs, ils en ont rendu hommage, est mort pendant ce film. Ils ont fini le tournage et il est mort quelques jours avant la première, je crois. Donc forcément, c'était un coup dur pour ce film dont certains acteurs ne se sont toujours pas remis d'ailleurs. Ça reste néanmoins un excellent film. Ensuite, nous continuons avec Christine, donc un film de John Carpenter tiré d'une histoire de Stephen King, donc pareil, qui est vraiment excellent, hein. Christine, on n'en parle plus, la voiture tueuse, donc la seule, l'unique, c'est mieux comme ça, la seule, l'unique, arrête de faire des conneries, c'est bon, tu vas pas enculer tous les cartons que tu croises non plus. La seule, l'unique voiture tueuse, donc fantasmagorique. Donc génialissime, qui va d'ailleurs être un des plus gros cartons de Stephen King, même au niveau des revenus financiers. Savoir que cette voiture qui est actuellement encore en vente chez les grands collectionneurs, avec un ninja qui a un orgasme prématuré. Ah la vache, j'en ai besoin. Tiens, je me suis lâché dedans. Ah putain, c'est tout collant. Ah, c'est affreux. Donne-moi les prochains. Ah, le grand flop de Stephen King que je vous parlais, Maximum Overdrive. Un film dont il a été le réalisateur, le seul film qu'il a réalisé, et pour moi le moins bon Stephen King que j'ai vu avec Conte Macabre. 2 secondes. Ça fait du bien. Oh le dégueulasse. Tu peux parler, l'éjaculateur précoce de carton. Oh. Alors, Maximum Overdrive qui était un film où les machines prenaient le dessus, et notamment les voitures en particulier. Comme on peut voir avec le gros camion. Donc un film qui partait d'une bonne base, mais qui était un peu mou pour ma part, et les effets spéciaux n'étaient pas top top. Ce qui fait de ce film un des moins bons selon moi de Stephen King. Ensuite, il nous en reste 3. Nous avons Le Bazar de l'Épouvante, donc film ô combien chatoyant et ô combien passionnant, où le diable est dans la ville et demande à chacune personne, si vous voulez l'objet que vous désirez que je possède, il va falloir faire quelque chose. Et la chose à faire va toujours être nocif à une autre personne, du coup, les gens du village vont finir par, entre guillemets, s'entretuer. Et c'est vraiment une très belle réalisation et une performance excellente par l'acteur Ed Harris qui joue le rôle du bazar de l'épouvante, si je dis pas de bêtises. Ah non, Ed Harris, c'est le policier, et Max von Sydow et Bonnie Bedelia. Donc, tous trois, deux très très bons acteurs. Les acteurs sont captivants, l'histoire est captivante et on reste toujours sur notre cul. Et on termine avec deux de ses plus grandes œuvres. Main droite. À une œuvre des plus chatoyantes, on va dire Shining. Donc, à savoir qu'il existe deux versions de Shining pour ceux qui ne sauraient pas. La plus connue étant celle-ci avec Jack Nicholson.
le Shining créé par Stanley Kubrick. Malheureusement, la fin de ce Shining ne collait pas avec l'image que se faisait le roman de notre cher ami Stephen King. Par exemple, à la fin, Shining, le personnage, et toute la famille, du moins une bonne partie, devait mourir dans un incendie dans le manoir. Dans le film de Stanley Kubrick, celui-ci meurt dans le froid et la neige, ce qui déjà ne concorde pas. De ce fait, le film va être beaucoup critiqué par Stephen King, qui va réécrire le film lui-même en deux parties, donc beaucoup plus long, dans un film Shining, ou une série télé, je ne sais plus si c'était présenté comme étant quoi, qui va être bien plus plaisant. C'est vrai qu'il a de belles dents. C'est Jack Nicholson. Bon, cela ne reste néanmoins un grand chef-d'œuvre, même s'il a été réalisé par Stanley Kubrick, et qu'il n'est pas fidèle à 100% à l'histoire. Et le dernier, mais non moins célèbre, il flotte, Georgie. Les ballons, ils flottent tous, et tu flotteras aussi. Ça, de Stephen King, donc le remake aura lieu en 2017. Donc un excellent film en deux parties, parce qu'il était trop long. Bon là, les deux parties sont sur le disque, hein, c'est un disque à double partie, vous le retournez d'un côté ou de l'autre, vous aurez le début ou la fin. Donc un excellent film avec le clown Gripsou qui met en avant la peur enfantine des clowns qui a au moins touché tout le monde une fois dans leur vie. Ce film-là a foutu la pétoche à plus d'un gamin quand il est sorti. Donc à savoir que ce film, les effets spéciaux ont un peu souffert, mais la tension que met le clown et la peur que nous font ressortir les enfants fait bien comprendre à quel point ce film est flippant. Cela reste néanmoins un très très bon film que je conseille à tous, un des meilleurs de Stephen King. Donc bien sûr, nous avons que cela, nous ne pouvons pas tout avoir. Et nous avons également un gros casse-couille de ninja. Youhou, push tête au coup. Wouhou. C'est la fin, c'est la récré. Portez-vous bien, le ninja est moins casse-couille que d'habitude. C'est vraiment une beauté parallèle. Fais pas chier. Bon, chers amis, nous nous retrouvons plus tard dans une vidéo achat et cadeau. Quel pète couille. Et en attendant, surtout, portez-vous bien, tout va aller pour le... Ninja! Je m'en fous! Reviens ici tout de suite, je vais t'envoyer mon pire des adversaires. Tu vas même pas y toucher. Allez, viens là, viens là, viens là. Hop! L'ami, attends que je téléphone à l'autre. J'ai besoin de toi. Ramène ta gueule! Vas-y, ramène. J'ai besoin que tu m'aides à éradiquer un ninja de première. Et je peux te dire, ça va être dur. Ouais, je sais que t'as pas été là depuis longtemps et que la chaîne te manque. Et c'est bien pour ça que je te rappelle à l'ordre. Hey, c'est la classe avec le chapeau en fait. Alors, il paraît que tu as des problèmes. Tu vas goûter à la puissance des cols de Katché. Ta ha cha ha ho ta ha ta. Vas-y, va bouffer des churros. C'est vrai que t'as mis une telle. Aïe, j'y crois qu'il fera folle. Eh ben dis donc, je crois bien les amis que celui-là n'était pas très très terrible. J'ai mal au churro. Ta gueule. Merci. Donc la prochaine fois, je demanderai à Goldie qu'il m'en ramène un peu plus puissant. Ah mais... Parce que lui en une droite, il était couché. Maintenant les amis, on va vous laisser sur cette vidéo et moi je vais aller cartonner quelques cartons.